Les amis, c'est mon jumper, le braqueur. J'espère que vous allez bien, les amis. Écoutez, moi je pète la forme comme d'habitude. Aujourd'hui, les amis, comme d'habitude, on se retrouve une fois de plus pour la suite de notre aventure épique sur le cambriolage sur Thief Simulator. Et non pas Thief Simulator, s'il vous plaît. On respecte quand même le nom du jeu. Et les amis, je veux vous remercier comme d'habitude pour votre tonnerre de pouces bleus et de commentaires comme d'habitude sur cette série complètement génialissime que vous adorez tout autant que moi. Et ça, ça fait plaisir, l'ami. Et du coup, comme vous le savez, les amis, la fois dernière, on s'était effectivement infiltré dans plusieurs immenses maisons très sécurisées. Et pour le coup, on s'était quand même assez bien débrouillé. Oui, parce qu'on avait volé à la fois de la télé, on avait volé énormément de trucs, de la thune en masse. Et du coup, les amis, on va continuer avec l'histoire et on va apprendre l'estimation de niveau 2. Parce que c'était là qu'on s'était arrêté, bien sûr, qui va nous permettre, comme vous voyez, de démonter les bijoux avec des outils spéciaux. Voilà, donc du coup, on va apprendre ça. Bam, et voilà. Oh, Vinny m'appelle, Vinny il doit m'observer. C'est pas possible, il doit avoir des jumelles, il doit être sur un arbre. Il doit se dire, attends, je vais vérifier qu'il a bien appris la compétence. Et dès qu'il l'a fait, je l'appelle. Bonjour Vinny. Ceux du Greenview 107 n'aiment pas notre plan protection. J'espère que rien n'arrivera aux bijoux dans leur chambre. Eh ben écoute l'ami, je vais les voler. Alors est-ce que j'ai besoin d'acheter un outil en particulier ou pas du tout? Bijoux dans la chambre, alors j'ai pas l'impression. Bon, je vais quand même aller voir dans le doute au niveau de l'ordinateur ce qu'on peut acheter par rapport à ça. Ah oui, c'est vrai, j'avais acheté l'outil de crochetage. Oh, c'était trop bien. Okay, outil pour craquer un coffre. Oh. Alors, je peux pas l'acheter. Ah, regardez, il y a des niveaux qui sont obligatoires. Oh, d'accord. Bon, ça c'est bon, je l'ai. Alors, un crochet classique. Bon, tu me diras, c'est pas vraiment très utile étant donné que... Attends, outil de crochetage. Tu me diras, j'ai mis un déjà. Ouais, écoute, on va laisser ça comme ça. On est vraiment au must. Qu'est-ce que je te dis? Écoute, oh, et j'ai plein de pépettes. Maintenant, c'est les points de compétence que j'ai pas. Ok, du coup, direction Greenview. On va se voler quelques petits bijoux, tu vas voir. Ouais, parce que bon, pour le moment, on est un peu le voleur d'assiettes et tout ça. Voilà, tu vois. Nous, au moins, on peut manger maintenant. On est plus obligé de manger avec les mains, tu vois. Ok, donc du coup, 107. Parce que ce serait bien de passer enfin à la vitesse supérieure. C'est-à-dire de pouvoir vraiment voler des trucs qui vont vraiment. Un paquet de fric. Ok, c'est violence. Bah ouais, mais écoute, je suis un braqueur. Oh, attention. Un peu plus, il y allait avoir un mort. Ok, alors attends, on va passer là. Est-ce qu'il y a un truc de parc? Oh, mais attends. Mais ils sont cinglés aujourd'hui, c'est pas possible. Attends, on va se mettre là. Pas du tout. Bon, tu me diras, si, je devrais me garer. Attends. C'est mieux que de se garer devant les gens, tu vois. Devant chez les gens. Ok. Bonjour, monsieur. Ouais, t'as raison, on change de trottoir, ouais. Ok, alors. On va vérifier quand même. J'ai l'impression qu'il y a personne. Oh, il me semble que j'ai. Oh, j'avais vu cette maison-là de nuit. Alors, est-ce qu'on peut crocheter cette porte? Oui, on peut. Ok, doucement. Bah, c'était tranquille, dis donc. Alors, je sais pas s'il y a des gens. À partir de ce moment-là, on ne parle plus. Enfin, si, on parle, mais. Ok, alors, il y a des portes. Je sais pas s'il y a des portes ouvertes. Je peux faire. Oh, petit crochetage automatique. Ah oui, c'est pratique ça, c'est pratique. Par contre, il y a une personne là. C'est bon, on me voit pas. Parce que je l'ai vu avec le radar. Vite, on ferme la partie. Vite. Ok. J'ai l'impression qu'il y a personne. Alors, dans le doute, on va rester. J'ai vu les bijoux. J'ai quand même envie d'aller voir un petit peu ce qu'il y a dans la. Il y a plein de trucs. Alors, je vais d'abord prendre les bijoux. Oh, j'ai eu de la chance, les gens. J'ai eu tellement de chance. Oh, un téléphone. Il y avait des gens qui étaient au niveau du trottoir et tout. Ils auraient pu me voir. C'est dans la chambre là? De la porte. En douceur. Ok, c'est dans la chambre. Très bien. Les bijoux sont dans le nid. Hop, ça c'est bon, je vole. Radio réveil. Quoi dedans? J'ai l'impression que les gens sont pas chez eux. Donc on va en profiter. Téléphone. La souris. Carrément quoi, on y vole jusqu'à la souris. T'sais. Doucement au niveau du bruit. Oh, une télé. Ah, c'est une petite. J'aime pas trop ça. Est-ce que je peux prendre la guitare? Il y a une guitare. Alors pour l'instant, il y a l'air d'avoir personne. Les gens ne sont pas encore rentrés du boulot. Et c'est un peu au pif, hein. Ils peuvent être là la nuit comme ils sont pas là le jour et inversement. Il faut être assez malin, tu vois. Ok. Ah oui, c'est vrai qu'on peut porter plus de trucs maintenant. Alors je voulais voir en bas si je pouvais voler des trucs un peu plus lourds. Oh, ça c'est le système de sécurité. Comment là, je découvre. On se barre. Poussez-moi, monsieur. Vous êtes devant la porte. Non, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Faut que je trouve le moyen de monter. La police arrive. On se dépêche. On se cache. On se cache.
Mais non, mais d'où ils étaient devant la porte? J'aurais pu me barrer, j'avais largement le temps, là. Non, mais attends. Qu'est-ce que c'est que ce truc, là? Ok, la police arrive. Allez sur les lieux. Ok, on les voit, on les voit. Je me demande s'ils peuvent ouvrir la porte du placard, parce que pour l'instant, ils ont jamais réussi à me repérer quand j'étais dans les cachettes. Je pense que non. Je pense que non. Est-ce que je peux m'accroupir? Non, je peux pas m'accroupir, je peux absolument rien faire. Ok, en douceur. Ok, les amis, c'est bon, la police est partie. Maintenant, on va essayer de partir tout doucement d'ici. Ok. Alors, en vrai, on pourrait courir. Hein. En vrai, on va faire ça. Ok, en douceur. En douceur, en douceur. Ah, ils ont repris la télé. Ils ont repris la télé, je crois, ouais. Ok, on y va. Les gens sont chez eux encore. J'ai envie de tenter de voler une télé en plus, mais... C'est risqué. Bon, je la prends quand même. Je la prends. On se barre. Quand on est dehors, on va courir. On va courir d'une puissance. Putain, j'ai l'impression que... Oh, ça a fait masse bruit quand même, ça. Attends, on pose la télé. Intrusion. Okay, je sais pas s'il me voit. Non, c'est bon, il me voit plus. Allez, dépêchez-vous de passer. Vous pouvez pas rentrer chez vous. Ah, c'est fermé. On est doucement. On se barre. Je suis réparateur de télé. Laissez-moi faire mon travail. Ils vont me voir. Tu fais quelque chose de louche, mais d'où? Imagine, tu fais un déménagement. Hop. Salut mon gars. A plus. Allez, on s'en va. On se barre, les amis. Yes. Oh là 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 là. Alors justement, il y a 20 d'entre vous, les amis, qui m'ont dit que je pouvais partir dans le bois. Mais bon, honnêtement, vu le bin que c'est... Bah si, attendez, on va tenter là. Oh là là, ça m'a coûté cher le bois, ça m'a coûté cher. Et là, normalement, je peux partir comme ça. Regardez. Ah ouais, ça marche. Effectivement, les amis, vous avez raison. On peut effectivement partir directement depuis la forêt. Mais bon, c'est quand même mieux de prendre la route, hein. Et voilà, niveau supérieur. Très bien. Avec les bracelets, bien sûr, qu'on a volé. Oh, Vinny. N'oublie pas de toujours casser les bijoux. Il y a un outil pour ça dans le magasin. Oh, simple. Alors attends, avant toute chose, est-ce que je peux vendre au marché noir ce que j'ai pu trouver aujourd'hui? Des vases, d'accord, pièces de voiture. Non. Ah, on voulait une vieille guitare, ça tombe bien, j'en ai une. Très bien. Alors du coup, qu'est-ce que c'est? Oh, outil pour la bijouterie. 2600. C'est cher, c'est très très cher, voilà, mais ça valait le coup, hein, donc Ok, alors, outils pour la bijouterie. Les outils pour la bijouterie permettent de désassembler les bijoux avant de les vendre. Oh, d'accord, très bien. Alors, attends, est-ce que je peux le faire? Sélectionner. Oh, donc là, je les enlève, là. Comment je fais? Attends, ça, c'est pour voir. Il faut s'appuyer. Ah, oh, d'accord. Ah, oh, il faut les enlever, regardez. Allez, hop, on appuie et ping. Oh, voilà, on vole l'émeraude, on vole les rubis, les bijoux, tout ça et tout. C'est terrible. Mais bon, ça va nous permettre de récupérer un max de fric, parce que bon, 2600 $. Oh, Vinny. Un pro sait comment s'y prendre avec un coffre. Est-ce que tes compétences en crochetage sont à la hauteur? Ah, oh oui, l'ami. Apprends le crochetage de niveau 4. Ah, non, peut-être pas, en fait. Attends, on va aller voir ça. Crochetage. Je l'ai déjà. Oh, de niveau 4. Ah, je peux pas, il me faut encore des points. Ah, Faut que je revole des bijoux. Alors, attendez, est-ce que... normalement, attends, j'ai les bijoux maintenant sur moi ou pas du tout? Je sais pas s'il y a des gens qui sont intéressés au marché noir pour ça. J'en doute. On va aller voir ça, attends. Pièce. Non. Autre, non. Ok. Alors, attendez, les amis, ce qu'on va faire... On va aller... J'arrivais pas à passer avec cette barre. On va aller directement au revendeur. Et on va pouvoir justement, déjà d'une, avoir plein d'argent, ça c'est cool. Et surtout, après, on enchaînera par un petit cambriolage. Bon, clairement, je le ferai de mon côté parce que bon, ça va être assez rapide histoire de pouvoir monter. Non, mais attends, c'est à quoi d'ouvrir la porte doucement, tu sais? C'est juste pour faire le mec, ouais, tu vas cambrioler jusqu'au bout, tu vas silencieux, tu vois. Et j'allais dire, mais du coup, je cambriolerai une maison de mon côté histoire de quand même, hein, de ramener un petit peu d'XP et après, on pourra continuer avec les coffres. Eh, tu m'as toujours pas, Bob, hein? T'es pas sympa. Attends, ça se vend combien les bijoux? Ouh, 800! Je crois que c'est ça. Ah ouais! Attends, c'est ça? Ah ouais, 800! Ok, je peux en avoir besoin. Ah, c'est immense! Ah ouais, ça vaut le coup. Hein.
Ça vaut carrément, mais carrément le coup, l'ami. Et voilà, c'est bon, les amis. On va pouvoir passer justement à la vitesse supérieure. Car effectivement, alors j'ai cambriolé quand même 4 maisons. Oui, quand même. Ah ben bon, c'était les petites maisons, histoire de pouvoir débloquer le point de compétence. Et du coup, apprendre le crochetage de niveau 4. Qui permet du coup d'ouvrir des coffres et d'utiliser un couvert. Oh, stylé. Alors du coup, il va falloir que je m'entraîne, d'accord, sur... un coffre d'entraînement, ça roule. Ok, outil pour craquer un coffre. Oula, est-ce que j'ai assez là? 2505, normalement, je pense que c'est bon. Alors attendez, avant, on va quand même aller au marché noir, voir un petit peu s'il y a des trucs qui pourraient intéresser. Ouais, ça c'est bon, nickel. Oui, j'ai volé un petit ampli là-dedans. Ok, rien de plus. D'accord, ça roule. Ok, très bien. Alors, du coup, oui, si j'ai bien acheté l'outil, ça va beaucoup moins bien marcher, hein, tu vois. Outil pour craquer un coffre, d'accord. Et ça, c'est un couvert. Oh, alors ça, vas-y, prends. Ok, nickel. Alors, attends, est-ce qu'on peut aller tester ça, du coup? Oh, ça va être génial. Ok, tourne dans la direction indiquée par les flèches jusqu'à ce que le son change. Ah, ok, les amis, attendez, je viens de comprendre. Regardez, je vais vous montrer à zéro, en fait. Voilà, donc, en fait, si vous voulez, on va arriver jusqu'à un moment où on va entendre le son qui change. Et du coup, on aura le bon, la bonne combinaison. Et dès qu'on entend ce bruit, vous allez voir. Attention. Attention. Voilà, et là, on tourne dans l'autre sens. Regardez, voilà, et maintenant, on retourne dans l'autre sens. Regardez, vous allez voir, ça va le faire. On va l'ouvrir, ce coffre. Attention. Je pense qu'on y est presque. On va trouver le bon bout. Est-ce qu'on va trouver le bon bout? Yes, c'est bon. Et on a réussi, ok. Ah, Vinny. Un document a disparu du bureau de Monsieur Lombardi. Quelque chose me dit qu'il se trouve au Greenview Sunday. Honneur tes dettes, il va vérifier pour moi. Ça roule, Vinny. Bon, j'espère quand même que tu descendras de ta tour, là. Un de ces quatre que je te vois, mon pote. Alors, avant toute chose, on va quand même repasser... oh, un revendeur. Oh, ça va être trop cool. On va braquer un coffre-fort, quoi. Ah bah, ça n'a plus rien à voir avec les casseroles que je voulais au début, hein. Alors, attends, on va vendre ça. Hop, histoire d'avoir un petit peu d'argent, parce que là, on a tout claqué dans le truc. Welcome back pour écouter le coffre. Oh, elle tient à peine, là. Elle va tomber sur le pied, là, mon pote, là. Ok, donc on vend tout ça. Bam. Voilà, nickel. Bon, c'est vrai que les bijoux rapportent quand même un peu plus, parce que là, avec tout ce que j'avais dans le sac et rien que l'enceinte, ça n'a même pas voulu les bijoux que j'ai volés, quoi. Ok, du coup, direction Greenview. Ça va être sympa, je pense, ce vol de coffre. Alors, attendez, c'était au combien déjà? Le 102. Le jour se lève sur Greenview. Les gens partent au travail en n'imaginant pas qu'ils reviendront avec une maison braquée. Terrible, n'est-ce pas? Ok, donc du coup, ce 102. Waouh! Ah oui, excusez-moi! Ah oui, là, on va braquer la The Maison, quoi. Bon, on va pas se mettre devant. Je n'aime pas ça. On va se mettre un peu sur le côté. Voilà, ici. Si je pense que ça devrait passer. Voilà, j'ai le droit de me garer là. Normalement, je ne gêne personne. Très bien. Ok, le 102. Alors, je sais pas si les gens sont là la journée ou la nuit. Mais dans le doute... Ah, d'accord. Waouh, c'est chaud. Oh, ça a l'air d'être tellement bien protégé. Alors, est-ce que c'est une bonne idée de passer par là? Bon, oui, attends, écoute. On va essayer de voir par l'arrière d'abord. Alors, s'il y a des gens. Ok, ça j'ouvre doucement. Oh, je crois qu'il y a une personne qui a entendu. Doucement, doucement. Barbecue, vite, faut que je me cache, faut que je me cache. Normalement, il devrait pas me voir, il devrait pas me voir, c'est bon, il me voit pas. Ok, c'est bon, il m'a pas vu. Regardez, il est là-bas, regardez. Il passe doucement. Il passe doucement, voilà. Ok, oh, ils ont sécurisé la maison. Il y a des volets. Ok, donc les fenêtres, c'est mort, on oublie. Ils sont chez eux, vous pensez? Il y a de la musique. Ah, il y a de la musique. Ok, donc ils sont chez eux. Ils sont chez eux. Oh. Ok, là, c'est pas totalement... Ok, c'est pas totalement... On va courir. Dans le doute. Alors, je sais que les gens n'aiment pas trop ça, mais... Oh, j'ai vu quelqu'un. En fait, il se lève. Je crois que j'ai vu quelqu'un. Je suis pas sûr. Attends, j'essaye de passer doucement. Ça va être compliqué là. Je les ai vus. Ok, c'est bon. Les gens sont là. C'est bon. On a repéré. Alors, par contre, il y a énormément de monde. Je doute que la porte d'entrée soit une très très bonne idée. Mais je sais, il y a une personne, les amis. Je sais. Ils vont forcément me voir ici là. Ils vont me voir. J'ai peur qu'avec le pied de biche, ça soit un peu vénère. Genre, les gens dans la rue, ils disent rien là, tu sais. Attends, est-ce qu'il y a moyen, si je casse un truc, où il y a un lit? Parce que oui, j'ai pas le couvert. Quand je marche comme ça, c'est très grillé, hein, donc... Il y a l'air d'avoir une chambre ici. Il y a l'air d'avoir un lit ici. Ok.
Allez, on y va. Oh, oh, oh! J'ai réussi à rentrer dans la maison! Bonjour, monsieur l'âme! Y'a pas de cachette? Cachette. Oh! Comment j'ai glitché le truc? Ah, mais non, ah, ah non, ah, y'a un fantôme qui m'a attrapé? Pourquoi? Non, mais attendez, les amis, en fait, je viens de comprendre, c'est encore plus fourbe que ça, les amis, parce qu'en fait, au 102. Ah, qui c'est qui vit là-bas? Hein? Qui c'est qui vit là-bas? Hein, les deux petites personnes normales? Eh ben non! Ce sont des flics, les amis! Ce sont des propres, des policiers, en fait, hein, qui vivent tout simplement dans leur propre maison. Et du coup, ça fait que forcément, bah, on ne peut pas du tout se cacher, les amis. Je viens de me renseigner, on peut pas du tout se cacher dans les maisons, bien sûr, hein, des flics, ce qui est tout à fait normal. Ils connaissent leur maison quand même. Attends, voilà! Tu vois, bon, forcément, ils ont une arme, eux. Donc, du coup, forcément, ils vont directement essayer de nous arrêter. Voilà. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je me dis, on va essayer de braquer la maison d'à côté. Dans le doute, on va voir si c'est la police aussi, je me marre. Franchement, si c'est la police ici, ou tu as coupé dans un endroit bizarre. Je vois pas de quoi vous parler. Ok, alors. Oh, la maison, elle est ouf. Oh là là. Bon, je pense pas que normalement je suis censé être là, mais. Ouh, ah oui, là, j'ai pas du tout ce qu'il faut pour. Ok, ouverture. Les volets automatiques, très bien. On va grimper sur les vignes. Alors, là, si les gens qui sont en face du trottoir ne me voient pas là-bas, je ne comprends pas. C'est moi qui te dis. Genre. Ok, ils me voient. Intrusion. Péter un truc. Parce que je casse direct. Je monte. Ok, les grands temps se planquer. J'espère qu'il y aura un cop dans cette maison. Parce que j'ai besoin d'argent. Je me cache là. Non. Là. Oh, ils sont. Sur la porte. La porte vite, la cachette. Oh, il y a un coffre. Oh, la chance. Mais c'est nickel, ça. C'est nickel. Ok, ça roule. Allez, 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 allez. Je vous attends. Je vous attends, les gars. Enfin, non, si vous voulez. Oh, ils sont là. Oh. Pas un bruit. Pas un mouvement. Alors, c'est bon signe, au moins ce ne sont pas les propres propriétaires qui sont venus. Alors, à moins qu'ils soient pas là, et j'espère qu'ils sont pas là, parce que si c'est que des flics dans ces grandes maisons, on est mal. Honnêtement, on est mal. Et j'aurais jamais pensé qu'ils allaient acheter la police, tu vois, qu'on aurait cambriolé la police eux-mêmes, quoi, tu vois, ça aurait été compliqué, quoi. Et puis c'est possible, en fait. Ok. Plus qu'une étoile. Oh là, il y a tellement de monde dehors, regardez ça, les amis. C'est dingue. Alors, j'ai l'impression que les gens, on est chez les Williams, là, on est au 103, sont pas chez eux. Ok, donc ce qu'on va faire, on va essayer. Oh, c'est pas possible. Genre. En fait, ils sont vraiment là. Oh non, la police est de retour. Ah, c'est pas possible. Ils vont me coincer. Je ferais mieux de fermer la porte quand même. Hein. Dans le doute. Ok, ils sont là, ils arrivent, regardez. Le petit point d'exclamation. Imagine, tous les gens, quand ils se baladeraient dans la vraie vie, ils auraient sauté au-dessus. Oula, ils viennent passer à travers la porte. Les flics du futur. Ok, alors on y va. Allez, tu te pousses. Tu files. Voilà, nickel. Faudra fermer la porte, hein, direct. Mais je pense qu'à mon avis, vu que c'est une chambre, il y a des gens qui reviendront. Bon, après, bon, il est 8h40. Ils vont pas aller se coucher à cette heure-là, je pense pas. Hein, justement, ils viennent de se lever. Ok, oh, il y a une personne. Non. J'ai pas le temps de l'identifier. Ok, c'est encore un peu la panique dehors, mais ça va le faire. Ok, doucement. Ouverture de la porte. Tout doucement. Il faut surtout pas lâcher trop tôt. C'est tellement bien fait. Si tu lâches trop tôt, c'est mort. Ok, on va tenter. Allez, les amis, on peut le faire. On peut le faire. Ça va cliquer. Ok, de l'autre côté maintenant. Faut craquer ce code, les amis. Faut le craquer. Pour avoir de l'argent et acheter du coup le couvert. On peut le faire. Ok, de l'autre côté maintenant. Là, c'est bon. Là, on tient quelque chose. Yes. Ouverture doucement. Oh, un max de pognon. Ok, ça, c'est bon. La thune. Très bien. Petit routeur. Allez, on prend tout. Là, c'est pas l'XP qui compte, c'est vraiment l'argent, là. Casquette. Qu'est-ce que je m'en fous de ta casquette? Puis identifier la zone. Oh, une manette. La X cube. Ça se passe bien. Alors, les gens sont en bas. Oh, juste pied de biche, peut-être, non? Ouh, sacrée salle de bain. Qui nous permet de faire le tour. Petit jacuzzi, là, dis donc. J'entends des gens. Oh non, c'est pas cool.
peut ouvrir ça. Oh, intéressant ça. On va profiter pour ouvrir. Si je veux ça, vite fait. Coupe en or. La thune, c'est plus important. Monsieur dame. C'est le moment ou jamais. Je vole tout. Allez, saute. On va te barrer quelque part. Oh oh. J'ai de la chance. Ah, je suis bloqué. Non. Mais d'où? Mais non, je suis bloqué là, comment je fais? Mais non, mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Ok, normalement les amis, c'est bon. Je devrais pouvoir normalement partir sans problème. Parce que là, pour le coup, là, c'était vraiment les pieds dans le tapis là qui m'est arrivé là. Ok, on ouvre la fenêtre. On y va doucement. En douceur, très bien. Ok, donc là, normalement, on devrait pouvoir se barrer. On va faire attention quand même, parce que j'ai vu qu'il y avait des gens. C'est bon. Tranquillement. Personne ne me voit. Je suis un caméléon. Personne ne peut me voir. Et là d'un coup, hop. Donc, tout va bien, bonjour. Je distribue des prospectus. Allez hop, on se barre. On va y aller en marche arrière, tiens, allez vas-y. On attaque jusqu'au bout. Allez, à plus les gens. Et voilà. Ok, du coup direction la maison. Oh là là, c'est ouf. Bon, j'espère qu'on va gagner quand même pas mal de thunes, hein. Ah ouais, là c'est... Oh l'XP, on va même gagner encore un point de compétence, décidément. Plus c'est rare, plus c'est cher. Alors il nous faut, je crois, du coup les amis, pas loin de 2500. Ce qui est quand même assez énorme. Je vais pas vous mentir, 2500 ça reste énorme, hein, pour pouvoir acheter normalement. Non, ouais, c'est ça, 2500 le coupe vert. Voilà, donc bon, il va falloir économiser, hein. Il va falloir en vendre des trucs. Ouais, là normalement je pense qu'à l'atelier on peut, voilà, sélectionner de ça, tac. On enlève absolument tout ça, on démonte tout. Bim, hop, voilà, nickel. La même pour ça, oui, parce que sans le coupe vert, je pense pas qu'on aura la possibilité de... Comment dire, de cambrioler la maison des autres personnes. Même s'il y a peut-être moyen, faut que je regarde, faut que je retourne sur les lieux. Les lieux du crime, pour pouvoir voir un petit peu si y a moyen avec un autre point de compétence d'ouvrir les fenêtres. Mais je pense que non, honnêtement, j'en doute, hein. Voilà, donc on retourne. Allez voir notre vendeur. On va se faire un max de thunes. Welcome back. Welcome back. Alors comment je peux me faire là? Ouh. Oh, j'aime bien ça mon pote. Oh oui. Si tu le démontes, ça pourrait m'intéresser. Eh, mais je l'avais démonté, qu'il se raconte. Ah bah voilà Bob, tu vois quand tu veux. Et là du coup les amis, 1500$. Et on a 2700. Oh, mais ce collier a carrément valu le coup. Oh là là. Et du coup on va pouvoir retourner à la maison et cette fois-ci acheter justement le coupe vert pour pouvoir, les amis, s'infiltrer dans la maison du flic. Oh, et monter aussi également, il se rachetait des escaliers un peu mieux quand même. Voilà, donc du coup, on va acheter le coupe vert, même si c'était pas demandé de l'acheter, mais honnêtement, sans ça, tu ne peux rien faire. Mais bon, en même temps, voilà, il faut aussi parfois acheter des astuces pour savoir qu'il faut un coupe vert. Mais heureusement que je les ai pas achetés, ces astuces-là, parce que sinon, aujourd'hui, avec toutes les astuces que j'aurais achetées, je n'aurais pas eu assez d'argent pour acheter ce coupe vert. Enfin, il aurait fallu que je recambriole une autre maison, si vous voyez ce que je veux dire, voilà. Donc du coup, direction, les amis, attention. On va retourner à la première personne, c'est quand même un peu plus réaliste. Au 102 pour voler les documents. Voilà, c'est des documents de police, hein, complètement, qui vont valoir un gros paquet de pépettes. On va se mettre là, nickel. J'arrive un peu vite, mais écoute, est-ce que je suis bien arrêté ou pas? Ouais, c'est bon, si ça les gêne là, je comprends pas. Ok, on va laisser la porte ouverte, dans le doute. Alors, faire attention, ce sont des gens qui ont l'air d'être tout le temps chez eux. Donc on va faire gaffe. J'ai même pas besoin de tourner les crochets. Ok, donc en douceur. Là, les amis, on est directement chez les flics, hein. Donc, ouais, c'est... ouais, je l'ai vu. Oh là, il est terrible. Oh, il est aux aguets de ouf, hein. Il est aux aguets de ouf. Alors, du coup, il va falloir faire tellement de discrétion. Parce qu'on peut pas se planquer. Pour information, il n'est pas possible de se cacher. J'aimerais bien le voir passer vite fait, là. Pour le marquer, c'est ce que je veux dire. Ah, oh, genre, il m'aurait vu, là. Ok, il a pas l'air de vouloir venir ici. Du coup, on va utiliser le coupe vert. Comment ça marche? Encore faut tourner? Comment ça fonctionne ce truc? Attendez. Faut tourner?
Ah, c'est bon. Oh, ça a l'air de marcher. Alors, je sais pas comment je fais ça. Attends, il faut tourner. Dans l'autre sens, peut-être. Oh, c'était un peu vénère, ça. Oh, c'est un délire. Je crois qu'il va venir. Doucement, doucement. On y va doucement. Ouverture. Ok, c'est bon, il vient pas. Ok, on craque le code. Ok. Ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. En plus, tu vois, c'est payé 600$. Et j'avais pas vu en fait en bas à gauche, les amis, au niveau du son. Regardez, il y a une flèche. Regardez. Ah là là, je me suis trompé. Tu voulais aller trop vite. Des fois, les espaces sont terribles. Et il y a une flèche bleue qui indique où il faut aller. Encore un peu. Oh non, non, j'étais trop vite. Sois calme, Furious, calme-toi. Calme-toi, ça va bien se passer. Doucement. Ok, là on n'a pas le droit à l'erreur. Attention. Ok, c'est bon. Et là on finit. Allez, on finit. Allez. Surtout que là il me voit, il m'arrête direct en fait. Ça va le faire. Les documents, c'est bon. Oh, c'est bon ça. Petit vase là. Je peux voler des trucs, hein. On va pas faire plus le talk, les amis. On y va doucement. On ferme la fenêtre tout doucement. Et on y va. Et on se bat. Comme si on n'avait jamais existé. J'essaie de voir s'il y a des personnes. Est-ce qu'ils peuvent me voir ici? J'ai pas l'impression. Regardez, en bas à gauche, il y a l'œil qui est fermé. Il y a trop de gens autour de ma voiture. C'est quoi ce Beans? Il aime ma voiture. Pourtant, j'avais pris une voiture toute pourrie exprès pour pas qu'il s'arrête dessus. Je crois qu'elle bloque. C'est une blague. Je vous jure, elle bloque. Elle bloque le passage. C'est pas possible. J'ai une foule en délire devant. Je me lève. Comme si de rien n'était. Bonjour, monsieur l'homme. Ça se passe bien? Tranquille. Marquer la caméra à 101. Ouah, c'est plusieurs missions en fait. Regardez. Ouah, il y a masse monde. Excusez-moi, oui, c'est ma voiture qui gêne, hein. On démarre, vite fait. Voilà, c'est bon. Ok, super. C'est bon? Il vous fallait vraiment que ça, hein? Possible. Alors, marquer la caméra à 101. Comment je la marque? Caméra devant la maison. Vinny. Tu sais effacer les données sur un portable, non? Tu vois, tu y arrives. Oh. Intéressant. On peut effacer les... On peut effacer les trucs. Vole la tablette. Au 101. Waouh, ouais, mais il y a une caméra de surveillance là-haut. Eh bah écoute, tu sais quoi, Mini, on fera ça la fois prochaine là. Parce que là, on a un plein jour. Et puis là, honnêtement, je vais vite aller revendre tout ça histoire de sauvegarder aussi au passage. Parce que tu peux pas sauvegarder autrement. Parce que sinon, si je dois tout refaire, je peux te dire que ça va pas être la même. Bon, et bah écoutez, les amis, du coup, on va aller directement au revendeur revendre absolument tout ça. Et on va s'arrêter là, du coup, les amis, pour aujourd'hui. Oh là là, c'était tellement terrible cette maison. Mais cette maison, le vase et tout. Ouais, bon, en fait, j'ai obtenu déjà la thune et j'ai obtenu surtout énormément d'XP. Oh, j'ai monté deux niveaux, quoi, c'est cool. Alors, je vais quand même garder des points de compétences. Regardez, là, il en faut deux, là, il en faut un, là, il en faut un. Donc, dans le doute, au cas où il faut l'électronique, j'avoue que bon, je pense qu'on va le conserver. Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés par le marché noir? J'ai pas l'impression, non. Ah non, ah, malheureusement, bah écoutez, ça irait directement au revendeur. Et bah écoutez, les amis, dans tous les cas, on va s'arrêter là, du coup, comme je le disais, pour aujourd'hui, pour ce nouvel épisode sur Fist Simulator. J'espère en tout cas que ça vous a extrêmement plu, comme d'habitude. Si c'est le cas, n'hésitez pas, les amis, à lâcher votre plus gros pouce bleu sur cette vidéo, ainsi que vous abonner, bien sûr, à la chaîne. Si c'est pas déjà fait, je vous remercie grandement, les amis, c'est votre jumper, le voleur. Et je vous dis, du coup, à très bientôt. Ciao, les amis.